Nous parlons culture à présent avec la célébration de la 10e édition de la fête des jumeaux à Libreville. Plusieurs ethnies du Gabon et communautés étrangères y ont pris part à cette commémoration qui a pour objectif la sauvegarde de la culture. Cabrel Guilain-Lemami sur les images de Aldo Thierry Mandaka. Les jumeaux sont des personnes qui ont partagé le même utérus au cours d'une même gestation, des êtres de même ressemblance et vénérés par certains peuples africains, d'où l'importance de cette 10e édition de la fête des jumeaux qui a rassemblé plusieurs communautés et ethnies du Gabon. Nous sommes en train de fêter cette 10e édition de la fête des jumeaux. Et les enfants que vous voyez ici, ce sont des jumeaux. Et ici, des statuettes, ce sont des représentations des jumeaux. Et dans notre culture, on ne considère pas qu'un jumeau est mort. Il est toujours représenté pour que ça soit éternel à côté de son second qui est resté. La célébration de cette fête nécessite un rituel bien précis. Et c'est l'occasion pour des personnes de bonne volonté d'apporter un soutien aux parents des jumeaux. Dans nos traditions, nous préparons, nous invitons les mamans jumeaux, les pères jumeaux, tout ça à se rassembler pour pouvoir célébrer une fête. Parce que les jumeaux ou les triplés, c'est une charge pour la famille. Il faut le partage, il faut que tout le monde vienne en aide pour ces gens, pour qu'il y ait... Et ils ont un soutien pour pouvoir aider ces enfants. Ces retrouvailles annuelles permettent aussi aux enfants, adultes, de sauvegarder leurs croyances ancestrales.